Les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soirculo Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter les trophées du nouveau DLC de Call of Duty Infinite Warfare. Donc le DLC Continuum, donc le DLC 2. Je vais vous présenter les trophées de ce jeu. Donc c'est basé sur la map zombie, à part un que j'ai un petit doute. Donc voilà, je vous mets des prescreens à l'image. Donc là, tout simplement, vous allez sur Call of Duty Infinite Warfare, où vous allez directement via le trophée. Après, ben, vous allez vous descendez, vous faites une flèche, une fois la flèche vers le bas. Après, vous allez à droite, vous descendez jusqu'à trophée, et là, vous appuyez sur X. Là, vous allez tomber sur tous les trophées de Call of Duty, et vous allez aller dans Continuum. Donc Continuum DLC. Alors, quand vous arrivez dans, quand vous appuyez sur X, vous avez toute la liste des trophées. Donc là, je vais les analyser avec vous. Donc, rat de bibliothèque. Dans Shaolin Disco, récupérez toutes les biographies de Haji, André, Poindexter et Sally. Donc, tout simplement, ce que je comprends là-dedans, c'est qu'il y aura des morceaux de biographie à récupérer pour chaque personne. Enfin, une biographie à récupérer pour chaque personne. Et pour débloquer ce trophée, il va falloir récupérer les 4 biographies des 4 personnages. Alors le deuxième, c'est Jackpot. Donc dans Shaolin Disco, terminez briseur de crâne. Donc Shaolin Shuffle, voilà que je comprends, Shaolin Shuffle, ça veut dire Shaolin Disco. Ok, je ne savais pas. Donc terminez briseur de crâne. Qu'à mon avis, ça va être peut-être un défi qu'il faudra terminer, ou alors avec une compétence on va devoir détruire des crânes qui va terminer briseur de crâne. Enfin voilà, je sais pas trop à quoi ça correspond, voilà ce que j'en pense. Donc là on a un trophée masqué, donc c'est tout simple. Pour voir, pour afficher les détails de ce trophée masqué, il suffit juste d'appuyer sur X sur le trophée masqué et puis appuyer sur carré. Et là, on peut voir que dans détail, il est affiché dans Shaolin Disco, trouver la chanson cachée. Donc tambour battant, c'est trouver la chanson cachée. Ce sera sûrement avec des tambours hein, au thème de Shaolin. Alors, le quatrième trophée, c'est découper en dés. Donc, il faudra faire passer l'arme finale au niveau Sacré Punch. Donc, l'arme finale, ce sera une arme qui découpera. Ça c'est sûr parce qu'elle découpe en dés apparemment, enfin découpé en dés, c'est le nom du trophée. Donc il va falloir sûrement fabriquer ou obtenir l'arme finale, donc l'arme spéciale de la map Shaolin Shuffle, donc Shaolin Disco. Et il faudra l'améliorer au Sacré Punch, donc c'est vraiment pas mal parce que on va voir, je suis vraiment pressé de voir la nouvelle arme du mode zombie. Et en plus, enfin de la nouvelle map, et en plus on sait déjà qu'on peut l'améliorer avec le Sacré Punch, donc ça c'est vraiment pas mal. Alors, dératisation, récupérer un morceau de clé des armes. Alors voilà, ce trophée là c'est tout simplement terminer le secret et récupérer la clé des armes comme dans tous les secrets de Infinite Warfare. À la fin du secret, il nous donne une clé des armes. Alors, trophée masqué, donc je vais dessus, j'appuie sur carré. Et voilà, ça s'affiche donc dans Shaolin Disco. Battez le boss final avec l'aide de l'invité spécial. Donc le trophée s'appelle Exterminateur. Donc si je comprends bien, enfin c'est ce que moi je pense, je pense qu'on va pouvoir appeler le DJ, donc l'invité spécial. Donc un peu comme David Hasselhoff quand on fabriquait le robot, on pouvait appeler David Hasselhoff pour qu'il vienne nous aider. Et ben là je pense qu'on va pouvoir faire la même chose avec sûrement la femme, hein, je pense que ça va être la Shaolin hein, qu'on a vu dans l'extrait, qu'on va pouvoir appeler pour nous aider à battre le boss final. Donc voilà, ça a l'air assez facile comme trophée, hein, il suffira juste de l'appeler, enfin, je suppose. Hein. Alors, compétence Shaolin. Donc là, ça va être un petit peu plus compliqué pour débloquer ce secret, parce qu'il va falloir augmenter toutes les compétences Chi au maximum en une seule partie. Donc toutes les compétences Chi, à mon avis, ça correspond aux chaque compétence qu'on voit dans la vidéo. Donc à mon avis, il y en aura 4. Apparemment, on pourra se les équiper toutes les 4.
ou alors va falloir en augmenter une, puis passer à une autre, je sais pas du tout comment ça va se passer. Mais là, il dit bien augmenter toutes les compétences au maximum en une seule partie. Donc voilà, ça je crois que ça va être assez chaud. Enfin, faut voir aussi comment faut les augmenter, les compétences. Donc on verra bien. Bien impatient de tester. Alors, un nouveau trophée masqué. Un seul pas suffit à terminer le plus long voyage. Donc voilà, ce trophée là, c'est le trophée que je ne sais pas du tout. Parce que dans tous les autres trophées, ils disent Shaolin Disco. Et dans celui-là, ils disent pas Shaolin Disco. Donc c'est possible que ça se passe en multi. Je trouve ça très fort, fort probable justement. Parce que voilà, je comprends pas. Je vois pas qu'est-ce que ça voudrait dire. Un seul pas suffit à terminer le plus long voyage. Ou alors peut-être un jump, mais pourquoi ils ont pas mis dans Shaolin Disco alors? C'est ça le truc que je comprends pas. Alors, l'avant-dernier trophée, ce sera Hamster qui dit dans Shaolin Disco récupérer toutes les coupures de journal. Donc apparemment, il y aura des coupures de journal, donc sûrement des morceaux de journal à récupérer dans la map. Qui indiquera l'histoire de la map, hein, peut-être, sûrement. Hein. Donc voilà, c'est ce que je pense, hein, je ne suis pas sûr. Alors, dernier trophée, c'est montage partiel requis. Donc, fabriquer tous les objets disponibles pendant une partie. Donc, ce trophée-là est déjà repris dans les deux autres maps, que ce soit Spaceland ou Redwood. Il fallait fabriquer tous les objets et débloquer tous les objets pour avoir un trophée. Donc voilà. Ici, ce sera montage partiel requis et il faudra fabriquer tous les objets disponibles pendant une seule partie. Donc voilà. J'ai fait le tour. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. Les photos, allez, ciao. Peace. Yummy, bruh.